tous, bonsoir à toutes. Nous accueillons ce soir l'équipe de Amiens Sport qui sera opposée à l'équipe de Loire Nord Tennis de Table. On va vous présenter les joueurs adverses pour l'instant. Il est danois, il a 26 ans, il est gaucher, il est 72 français et 360 mondial, monsieur Tobias Rasmussen. Il est numéro 112 français, il est droitier, il est champion de double 2022 associé à Félix Lebrun, monsieur Laurent Kovar. Il est numéro 113 français, c'est un droitier, il est argentin et il est 70 mondial. Ça commence à causer, monsieur Santiago Lorenzo. Il est 150 français, c'est un droitier, monsieur Denis Toskechou. Excuse-moi pour la prononciation. Le coach de l'équipe, vous le connaissez, il vient régulièrement, c'est monsieur Arnaud Cédier. Pour l'équipe de Loire-Nord Tennis de Table, donc vous les connaissez, sauf qu'il y a beaucoup de nouveaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de nouveaux spectateurs. Donc je vous les présente. Il a 27 ans, il est 117 mondial, il est 40 français, il est belge, Florent Lambier. Il est associé à un joueur de 27 ans qui nous vient de la Suède. Il est 60 français, monsieur Elias Ranefur. Il n'a que 19 ans, il est 150 français, il est droitier, Louis Lafineur. Et lui, il est presque vieux, il a 23 ans, il est numéro 68 français. Il était tout petit, tout frêle, maintenant c'est un grand gaillard, monsieur Florian Bourasso. Les arbitres, ah j'ai oublié, comme d'habitude, je les vois tellement souvent, Jérôme et Yann, les habituels coachs. Les arbitres ce soir, la rencontre sera dirigée par monsieur Dominique Boucher, ainsi que Sylvain Ferrière. Et merci aux petits ramasseurs de balles. Bon match, je vais demander aux gens de... enlevez les flashs si vous faites des photos, il n'y a pas de problème pour les photos. Et je vais demander aussi de couper les sonneries de téléphone.